Ok, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Lévitique au chapitre 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans tous vos demeures. Mon titre c'est les 7 fêtes de l'Éternel. Amen. Béni sois-tu, ton Père Céleste, donateur de tout homme excellent. Toi, le commencement de la sagesse, viens Seigneur, avec le charbon avant et point mes lèvres, Père bien-aimé. Tu sais, ô temps de Père Céleste, qu'il n'y a rien qui peut sortir de l'humain pour donner la vie si ce n'est ta parole bénie. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument, Père. Par l'intelligence de l'homme, Père bien-aimé, mais la sagesse divine puisse s'exprimer en ce moment. Car nous croyons, Seigneur, que tes enfants que tu as prédestinés au Père bien-aimé, je les ai prédestinés à écouter cette parole bénie. Bénis Seigneur la lecture de ta parole. Bénis chacun de nous comme nous abandonnons entre les saintes et glorieuses mains. Dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de parler sur les 7 fêtes de l'Éternel. Amen. Je vais aller vraiment doucement parce que, vous savez, j'ai compris pourquoi est-ce que le frère Branham dit que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale de l'Église. Donc ça, l'enseignement, on ne comprend pas. Parfois, je me rends compte que quand je prêche ici, je dis, on n'est plus dans la fête des tabernacles. Nous sommes maintenant dans la sainte convocation. Parce que c'était la fin de la rédemption et ainsi de suite. Parfois, ça brûle les gens. Amen. Alors, en cela, je me suis dit qu'il faut amener un peu un enseignement sur les 7 fêtes, comme on l'a fait avec 70 semaines dernières. Parce qu'avec 70 semaines dernières, c'est maintenant clair, n'est-ce pas? Quand je dis, je parle de la 70e semaine, vous comprenez de quoi je parle. Et je pense aussi enseigner aussi sur les âges de l'Église, c'est aussi important pour que les gens connaissent bien toutes ces choses-là. Mais le problème avec les âges de l'Église, ça prend tellement de temps, ça peut prendre un an. Mais c'est quand même nécessaire que nous ayons des enseignements. Alors, je vais essayer d'apporter ça comme le frère Madame disait, une leçon de l'école du dimanche. Donc je vais aller vraiment très lentement et essayer d'expliquer un peu les choses en détail. Amen. Alors le frère, la Bible dit, verset 4, voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez à leur temps fixe. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Je vais
bien essayer de parler de toutes les fêtes en résumé. Et je vais parler aujourd'hui de la fête de Pâques. Donc, dans les tableaux que nous avons là, j'ai fait un tableau pour essayer un peu de montrer toutes les fêtes. La première fête, c'était la fête de Pâques. Amen. Nous savons que la Pâques a commencé dans Exode 12, lorsque l'agneau devait être tué pour éviter les derniers fléaux. Parce que le dernier fléau était la mort. Alors, avant la tombée du dernier fléau, Dieu a dit aux enfants d'Israël d'immoler la Pâque, un agneau, l'agneau pascal. Et quand ils avaient immolé l'agneau pascal, ils devaient le manger avec les herbes amères et aussi avec du pain sans levain. Amen. Donc, la fête de Pâques, c'est lorsque l'agneau a été immolé. Et en hébreu, cette fête-là, on appelle ça Pesach. Et la fête-là se passe entre, dans notre calendrier, le mois de mars et le mois d'avril. Mais pour les juifs, c'est le mois de Nissan. Amen. Et la deuxième fête, c'est la fête de pain sans levain. Nous savons tous c'est quoi le pain sans levain. Jésus a dit aux disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et la Bible dit que les disciples pensaient que quand ils étaient partis acheter le pain, Jésus leur parlait de pain. Alors Jésus leur expliqua de se méfier des enseignements des pharisiens. Amen. Donc après que l'agneau soit immolé, il faut qu'il n'y ait plus du levain dans la parole. Parce que la mort de Jésus était pour ramener la pensée de Dieu. Mais cela s'est fait étape par étape. Et ça aussi, ça se passe juste les jours suivants, après la fête de Pâques. Et la troisième fête, nous avons la fête des gerbes agitées, ou la fête des prémices. La femme de fer ancienne. C'est la prémice. Donc la fête de la gerbe agitée, vous connaissez, on prenait une gerbe, on agitait de part et d'autre pour montrer que la moisson est mieux. Et cette fête-là, on appelle ça Shavuot, je ne sais pas. Et ça se passe dans les mois, entre les mois de mai et juin. Juin, il y a l'écrit là. Et en hébreu, c'est les mois de Sivan. Amen. Et la fête qui arrive après, c'est la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est là que nous allons. Vous avez sauté le morceau. Oh, j'ai sauté la fête de la moisson, merci. La fête, je suis tellement présent avec la fête des trompettes. C'est tellement beau. Et nous avons ici la fête de la moisson ou la fête des Pentecôtes. Et la Bible même, j'ai lu le commentaire de Scofield, il dit que la Pentecôte veut dire 50. Même le frère Madame aussi a dit ça. Et le frère Madame nous dit que tous les sages de l'Église se déroulaient ici sous la fête de la moisson, la fête des Pentecôtes. Amen. Et quand nous arrivons maintenant à la fête des trompettes, ce n'est plus les âges d'église. Parce que déjà les trompettes appellent Israël. Et le docteur Scofield, quand il expliquait dans cette explication, il dit que ceci arrivera au futur. Il dit mais que avant que ceci puisse arriver, il faut que l'église puisse d'abord quitter. Amen. Or, le frère Branham, qui est le messager du 7e âge d'église, ils étaient tous là sous la fête de la moisson. Comme lui, il avait un triple ministère, lui, il devait traverser jusque-là. Et il a sonné les trompettes. Parce que quand il voulait prêcher les trompettes, Dieu lui a dit de ne plus les prêcher parce qu'il les a déjà prêchés d'une manière surnaturelle. Or, les trompettes appellent Israël. Et vous avez remarqué que c'est après les âges de l'église, c'est le mois de Tichri. Le premier jour du mois de Tichri qui est entre septembre et octobre de notre calendrier. Et après, il y a la fête des expiations.
qui ce qu'on appelle en hébreu la fête de Yom Kippour. Amen. Et les Juifs fêtent ça beaucoup, la fête de Yom Kippour, la fête des expiations. C'est la fête qu'ils fêtent beaucoup ici, là, jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on a besoin de ça. C'est juste pour montrer ce qui s'est passé. C'était les 10 jours après la fête, n'est-ce pas, des trompettes, qu'ils fêtaient maintenant la fête des expiations ou la fête de Yom Kippour. C'est vers le mois de Tishri. 10 jours après, dans le même mois de Tishri, ils ont fêté cette fête. Et c'est entre aussi le mois de septembre et octobre de notre calendrier. Et là, à la fin, c'est le mois de la fête des tabernacles, qui a le vrai Sukkot. Et c'est toujours dans le mois de Tishri qui est entre septembre et octobre. C'est du 15 au 22 de leur calendrier. Amen. Ici, j'ai essayé un peu de montrer les sept fêtes par rapport aux sept sceaux et sept âges de l'Église. Alors, le premier sceau, vous allez comprendre que du premier au quatrième sceau, c'était les âges de l'Église. Mais si je peux prendre, n'est-ce pas, les fêtes par rapport aux âges de l'Église, vous allez voir que ici, là, c'est l'agneau qui est immolé, qui montre, n'est-ce pas, le Messie qui est retranché dans les 70 semaines de Daniel. Amen. Le Messie qui est retranché. Et après, c'est les âges de l'Église. Et la période ici de la fête des moissons, c'est la plus longue période de toutes les fêtes. Comme je l'ai dit, ça a pris 50 ans. Frère dit que c'est là exprimé les sept âges de l'Église. Et pendant ce temps-là, les Juifs attendaient. Et vous avez remarqué que la fête des trompettes, ce n'est pas dans les quatrième sceaux, c'est dans les cinquième sceaux. C'est déjà en dehors des âges de l'Église. C'est là que les Juifs sont appelés, les 144 000, pour aller à la fête des expiations. Et lorsqu'on finit toutes les fêtes, directement nous entrons dans la sainte convocation. Et après toutes les fêtes, au moment où je suis en train de parler maintenant, toutes les fêtes sont déjà terminées. Les anges de l'Église n'en parlent pas. Amen. Les trompettes ont déjà sonné. Aujourd'hui, je suivais reconnaître votre jour. Non, la fête des trompettes. Les frères Branham a parlé des trompettes et il a parlé de la grande trompette. Je me posais toujours la question, quelle est la différence entre les trompettes et la grande trompette? Le frère Branham a dit que les sept trompettes, c'était pour appeler Israël. Mais la grande trompette, c'est lorsqu'il vient maintenant rencontrer Joseph. Or, lorsque Israël vient pour rencontrer Joseph, c'est la descente de la Nuée. Et vous allez voir que dans ce tableau, après toutes les fêtes, la Nuée vient après. Et lorsque la Nuée vient, c'est l'étoile de David, n'est-ce pas? Où il y a le croisement par exemple, des deux dispensations, les Juifs et les Gentils. Parce que quand Joseph, les Juifs sont venus en Égypte pour rencontrer Joseph, il y avait aussi Asnat qui était la femme de Joseph. Et Manassé et Ephraïm ont été incorporés dans la famille des Juifs. Ça veut dire que les Juifs et les Gentils formaient maintenant un seul corps. Amen. Amen. Qui est notre quatrième mystère dans Messieurs, quel est-il? Amen. C'est parfait. Oh, vraiment. Et la grande trompette, là maintenant, c'est la grande réunion qui a appelé tout le monde. Appelé Joseph, Israël, à venir vers Joseph. Et vous avez remarqué que ce n'est pas en Israël qu'ils sont allés, mais en Égypte. Comme le soleil se lève à l'Orient et se couche à l'Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen.
Et lorsqu'on arrive à ce niveau-là, après la descente de la nuée, c'est-à-dire que les Juifs n'ont plus à construire les tabernacles. Ils vont perdre de l'argent pour rien. Parce que ça va coûter des millions en fait. Le tabernacle de Salomon a été construit sous l'inspiration. Et les jours même de la dédicace, la nuée est descendue. C'est-à-dire, la descente de la nuée montre l'achèvement du tabernacle. Et lorsque Dieu a construit le tabernacle et l'épouse des âges de l'Église, après la construction aussi, pour la dédicace, la nuée aussi devait descendre. Et lorsque la nuée est descendue, c'est pour montrer que le tabernacle est achevé. Que tous les élus sont déjà entrés. Amen. Parce que à la construction du tabernacle de Salomon, après la descente de la nuée, il n'y avait plus de construction. Donc la construction devait d'abord arriver à la fin. Et les gens sont venus maintenant pour la prière. En ce moment-là, maintenant, la nuée est entrée. La Bible dit même les sacrificateurs ne peuvent plus faire le service à cause de la gloire de l'Éternel. Amen. C'est très significatif. Amen. Voilà pourquoi ça montre que il était sacrificateur, Christ, avant les âges de l'Église. Dans les âges de l'Église, avant la descente de la nuée. Et lorsque la nuée vient, le sacrificateur ne peut plus faire le service parce que la gloire de l'Éternel vient de remplir les temples. Amen. Amen. Il y avait les louanges, les cymbales, ils chantaient. Amen. Ici, là, j'ai montré un petit tableau pour montrer les périodes qui séparaient les fêtes, la répartition des fêtes. Donc, le mois de Pâques, c'est-à-dire la Pâque, entre mars et avril, était le 14e jour. Et le frère Abraham nous dit que moi je pensais que l'agneau a été gardé pendant 14 jours. Mais le frère Abraham nous dit que l'agneau a été gardé pendant 4 jours. Pourquoi? Il dit parce que c'est le 10e jour qu'on avait pris l'agneau. Et on l'a tué au 14e jour. Quand on a dit que l'agneau avait fait 4 jours. Donc, au 14e jour, l'agneau a été tué. Et au 15e jour du même mois de Nissan, c'était la fête des pains sans levain. Et les jours qui avaient suivi, c'était la fête. Des germes agités. Et du 16 au 21, c'est-à-dire 7 jours, il y a eu maintenant la fête de la moisson. Et entre la fête de la moisson et la fête, n'est-ce pas, de Pentecôte, il y a un écart là de 50 jours, ou de 50, 7 semaines, qui fait exactement 50 jours. Alors, de là maintenant jusqu'au premier mois, au premier jour du mois de Tishrei, c'était la fête des trompettes. Et l'écart entre la fête des trompettes et la fête des expiations, c'était simplement 10 jours. Et 5 jours après, c'était la fête des tabernacles. Amen. Vous allez voir que toutes les fêtes, c'était presque. Condensé. Donc la plus longue fête c'était la fête de la moisson ou la fête de Pentecôte. Ici je vais montrer les tableaux pour juste montrer notre calendrier à nous par rapport au calendrier des Juifs. Or, pour eux, le mois commence entre mars et avril. Pour nous, ça commence en janvier. Mais pour eux, ça commence là avec le mois de Nissan, qui est le premier mois, qui est entre mars et avril. Et il y a le mois de l'air,
qui est entre avril et mai, les mois de suivant, où il y avait, là où il y avait la fête de Pentecôte, c'était entre mai et juin. Les mois de Tammuz, qui est entre juin et juillet, qui est le quatrième mois. Et les mois de Av, qui est entre juillet et août. Les mois de Lul, qui est entre août et septembre. Les mois de Tishri, là où il y avait la fête des trompettes, et entre octobre et septembre. Les mois de Eswar, et entre novembre et octobre. Et le mois de Kislev est entre novembre et décembre. Et le mois de Tevet est entre octobre et janvier. Décembre et janvier. Et le mois de Cheval est entre janvier et février. C'est février. Le mois d'Adar, c'est entre février et mars. Ça, c'est le dernier mois, le mois d'Adar. Mais les fêtes là, il y avait les fêtes qui étaient dans le mois de Nissan. Dans le mois de Sivan et dans le mois de Tishri. Et à part toutes ces fêtes-là, il y avait aussi ce qu'on appelle la fête d'Anouk. Mais la Bible n'en parle pas. Moi aussi, je n'ai pas parlé. Le frère Madame non plus n'en a pas parlé. La fête d'Anouk, moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Amen. Là, on va représenter les chandeliers. Mais Anouk, en principe, c'est un chandelier à 9 branches qui nous montre que notre chandelier est les deux rameaux. Dans Zacharie. Le deux rameaux, on a, dans Zacharie, posé la question, c'était quoi? On lui dit que c'était, n'est-ce pas, les deux témoins. Or, quand on arrive là, c'est les deux témoins qui représentaient les 144 000 et les anges de l'Église qui représentaient l'Église. Amen. Et ils étaient tous déjà ensemble. Donc, ça arrive après toutes les fêtes. En principe, si on peut appeler ça une fête, ça sera la sainte convocation. Amen. Alors, nous allons maintenant lire dans la Bible pour vous montrer comment est-ce que cette fête avait commencé. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois et sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuses pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Ça sera un agneau mâle, d'abord, âgé d'un an. Et un agneau sans défaut. Le frère a dit que la raison qu'ils ont gardé l'agneau pendant 4 jours, c'était pour voir si l'agneau avait des défauts ou si l'agneau était malade, parce que ça devait être un agneau parfait. Amen. Continuez. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mange. Je sais pas. Voilà. Donc on devait prendre le sang et mettre sur les linteaux et sur les deux côtés. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait la 10e plaie qui devait frapper en Israël. Et pendant que cette plaie devait frapper, Dieu a dit aux enfants d'Israël d'appliquer le sang. Et remarquez que ceci se passe en Égypte, pas dans la terre promise. C'est-à-dire que, voilà pourquoi les frères ont dit que le sang, l'alliance du sang, c'était une alliance perpétuelle. C'était une alliance qui était là pour les saints de l'Église, pour les rachats. Quand ils sont sortis de l'Égypte, il n'y avait plus de sang. Le sang devait être appliqué sur les linteaux, juste pour échapper à la 10e plaie. Et nous savons que le dernier fléau dans les âges de l'Église, c'est la mort. C'est là où le cheval pâle a apparu dans le 4e saut pour produire la mort. Et Dieu a envoyé l'onction de l'aigle qui nous a enlevés. Amen. Donc c'était en Égypte. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous parlons du sang,
C'est dans le mystère du parrain et combien. Le sang, ce n'est plus comme dans les âges d'église, mais le sang, c'est la vie qui était dans le sang, qui est devenue maintenant l'épouse. C'est la vie sauvée dans le sang qui devient maintenant l'épouse. La grâce est d'Abraham. Parce que quand Abraham et Elohim voulaient détruire Sodome, c'est Abraham qui a intercédé. S'il y a 10 justes, je ne tuerai pas. S'il y en a 5, je ne tuerai pas. Amen. Ça dit que Abraham, c'est lui qui était devenu maintenant l'intercesseur. Parce que pour Sodome, c'était déjà arrêté que ça devait brûler. Yes, la officine devait brûler. Ça doit brûler. Mais vous maintenant, vous devenez la fille qui était dans le sang. Yes, c'est là où maintenant, un dernier curie de votre famille se présentera devant le trône blanc. Tu diras, mettez ces péchés dans mon corps. Parce que dans le trône blanc, il s'agit de l'épouse. L'épouse n'est rien d'autre que l'époux. Voilà pourquoi il a le pouvoir de pardonner. Et là aussi le pouvoir de condamner. Amen. Daniel Kiré. Qui se présente là? Moi je suis un grand évangéliste. J'ai évangélisé. Il passe là, on dit, ok, ton nom c'est qui? Non, mon nom c'est Daniel Kiré. Mon cher journaliste, Daniel Kiré. Non, il n'y a pas de nom ici. Non, cherche bien. Parce qu'il s'est levé en dehors des promesses. Il pensait faire quelque chose pour Dieu. Mais en dehors de la volonté de Dieu. Mais c'était un bon monsieur. Il était gentil. On n'est pas sauvé parce qu'on est gentil. On est sauvé lorsqu'on est dans le plan de Dieu. Mais c'était un monsieur gentil. Parce que après, la Bible dit que Dieu va séparer. Il dit, quand j'étais malade, vous m'avez rendu visite. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Entrez dans la gloire de votre Père. Mais de l'autre côté, il dit, quand j'étais malade, vous ne m'avez pas donné à manger. Vous ne m'avez pas visité. Quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Il dit, oh, c'était quand, Seigneur? Il dit, lorsque vous ne l'avez pas fait au plus petit du royaume, le plus petit du royaume, qui c'est qui? Ce sont les enfants de Dieu dans les actes d'église. Donc là, c'était après. Quand on sépare le bouc et le brebis, ça c'est après le départ de l'église. Et la personne qui sépare le bouc et le brebis, c'est l'église même qui est revenue de l'enlèvement. C'est là où nous parlons maintenant de la grâce du trône blanc. Où Daniel Kiré s'est retrouvé devant le trône blanc. On dit que notre nom ne se trouve pas là. Daniel Kiré dit que je suis foutu. Le frère Daniel nous dit que non. Là, je lui dis que non, tu dois plaider ton cause devant le trône blanc. Moi, je sais que le trône blanc, devant le trône blanc, il n'y a plus de miséricorde. Mais à Daniel Kiré, on a dit, va plaider ton cas devant le trône blanc. Mais c'est fini. Sauf d'avoir devant le trône blanc, mais tu es foutu. Quand il arrive devant le trône blanc comme ça, on regarde comme ça et dit que c'est fini pour toi. Et après, une voix a surgi. Mettez ces fautes dans mon compte. Frère Paul a dit que c'était Jésus. Et Jésus n'est rien d'autre que l'épouse. Voilà pourquoi vous avez la capacité de pardonner. Et de récupérer vos familles. Maman, yes, sir. Réclamez-les. Amen. Parce qu'il y a aussi des groupes, il y a aussi des groupes de gens qui ont été chantés avec l'épouse. Parce que lorsqu'il a dit que j'étais malade, vous m'avez visité, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. On dit, oh, mais tu sais quoi? Nous, on t'a même pas vu. Il dit, lorsque vous l'avez fait au plus petit du royaume, donc ça dit que la personne là n'était pas le plus petit du royaume. Il a simplement aidé le plus petit du royaume. Voilà maintenant sa récompense à la fin. Et cela arrive, n'est-ce pas, au temps de devant le jugement du trône blanc. C'est très compliqué ça. Donc, réclamez vos parents. Faites disparaître les vieux et les vins.
afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous parlons de la Pâque. Lorsque la Pâque est immolée, le vieux levain doit être ôté. Qu'est-ce qui se passe? Christ a été immolé dans le sang de Christ. Amen. Parce que toi, on dit que la mort de Christ, la véritable mort, c'était dans le sang de Christ. Après sa mort, maintenant, quand on vient maintenant après les âges, c'est tout ce qui a été mis dans la parole qui doit être enlevé, parce que c'est le pain sans levain. Mais viens-vous de lever les pharisiens. Tout devait être ôté. Surtout après l'ouverture des eaux. Toutes les compréhensions anciennes qu'on avait doivent disparaître. Yes. Concernant l'enlèvement, concernant le millénium, concernant l'éternité. Donc la prédication du huitième jour ou de la sainte convocation, c'est juste pour ramener les définitions qui ont été dans la pensée de Dieu. Telles que la mort ou la vie. C'est que nous appelons la vie, ce n'est pas un homme qui marche. La vie, c'est Dieu dans l'homme. Parce que Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous êtes passé de la mort à la vie. Ça veut dire que les gens qui se promenaient dans la rue, ils étaient des morts. Les vivants étaient dans la tombe. Amen. Donc, la parole qui est sans levain nous ramène une définition comme ça. Pour Jésus, Abraham n'était pas mort. Jésus, un jeune homme de 50 ans, qui n'avait même pas 50 ans, il vient devant les pharisiens pour leur dire que votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Ils ont dit que, mais toi tu n'as même pas 50 ans. Vous voyez l'écart de pensée. Eux, ils pensaient autrement. Jésus pensait aussi autrement. C'est ça le levain de la Pâque. Mais après que le Christ soit immolé, on doit maintenant recourir aux définitions de Dieu prêchées par le frère Branham. Alors on dirait que le frère Branham a dit que les gens vont disparaître. Amen. Oui, le frère Branham l'a dit. Et le frère Branham a aussi dit qu'il n'était pas les prophètes. C'est aussi une citation. Le frère Branham dit que je ne suis pas prophète. C'est vous qui m'appelez prophète. Moi, je ne suis pas prophète. Est-ce qu'en cela, le frère Branham n'est pas prophète? Tout ce qu'il faut voir, c'est les plans. Amen. Comment est-ce que l'Église ira à l'enlèvement à l'absence de frère Branham? Parce que la personne qui est digne, qui était digne, s'il y avait une personne qui devait partir vivant à l'enlèvement, c'est le frère Branham. Et l'enlèvement, il y a Élie et il y a Moïse. Le frère Branham ne peut plus revenir pour aller à l'enlèvement parce que ça serait un seul ressuscité. Et quand vous regardez tout ça, vous regardez par rapport au fait, vous regardez par rapport au son, vous comprenez que l'enlèvement, c'est le frère Branham a dit. Que l'enlèvement est une révélation. Il y a un ami qui m'a envoyé un document sur l'enlèvement. Ah là 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 là, c'était maintenant l'enlèvement de Marcel Tounas en image. Les gens à l'aéroport, l'avion qui devait atterrir, l'avion fait une crash. Le pilote est parti. Je vais vous envoyer ça. Une maman qui était dans une poussette avec son bébé, la poussette est restée vide, le bébé est parti. Il y a un petit là qui faisait comment? Les skates là, le truc là qu'on bâtit avec les pneus là. Le ski. Pas les skis, les skates. Skate, comment on appelle le skate? Non, skate. Hein? Skateboard. Hein? Skateboard. Voilà, c'est ça. Et subitement, le truc là saute, ça tombe, le monsieur est parti dans le mouvement. Mais voilà dans le mouvement que les gens pensent. Frère, même si, je ne sais pas, même si Dieu devait faire l'enlèvement comme ça, dès que vous avez les écrits là, il va changer ça. Frère, tout ce que l'homme peut connaître, l'homme peut tout connaître, sauf la pensée de Dieu.
Yes. Parce que si vous pouvez connaître la pensée de Dieu en dehors de Jésus-Christ, ça dit que Dieu c'est un faux. Donc ça ne servirait à rien qu'il puisse envoyer son fils mourir à la croix. Ou si vous pouvez connaître le mystère, soit de l'enlèvement, soit du millénium, sans le frère Branham, ça dit que Dieu n'avait pas envoyé le frère Branham. Ça dit que les gens pouvaient tout penser sauf un enlèvement réel. Enfin, si le frère Branham n'était pas venu, comment est-ce qu'on allait savoir que l'enlèvement, c'est une révolution? Personne. Parce que dans nos pensées, on pensait que l'enlèvement, c'est s'envoler ou disparaître. Mais quand le frère Branham est venu maintenant, il nous dit que cet enlèvement n'est qu'une révélation. Et on dit que c'est le départ soudain et secret. Mais moi, je vois la débandade. Les gens qui sont en train de pleurer, il y a des accidents, mais ça, ce n'est pas un départ secret. Amen. Ce n'est pas un départ secret parce que tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Or, le frère Branham dit qu'après l'enlèvement, les gens continueront toujours à faire tout ce qui est, ce qu'ils font, ce qu'ils font. Ils vont continuer à aller à l'église, ils vont continuer à faire toutes les choses, mais l'enlèvement serait déjà passé. Il parle de ça dans la fête de ton père. Alors il faut que les lèvres puissent être ôtées de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divergences aujourd'hui dans le message. Quand on parle du millénium, on voit le millénium avec 1000 ans. Vous allez rester quelque part là pendant 1000 ans. Mais après les 1000 ans maintenant là, donc après le millénium, l'épouse révèle l'enlèvement. Amen. Et elle va vivre ici pendant 1000 ans. Mais après 1000 ans, il y a aussi Gog et Magog. Bon, quand Gog et Magog va venir, les gens qui reviendront de l'enlèvement, est-ce qu'ils vont mourir de bombes ou bien ils seront comme des X-Or? Ou bien les, comment, les Terminators? Donc ils vont commencer à traverser le feu. Ça ne marchera pas. Donc c'est une affaire de révélation. Donc les millénium, c'est juste un repos. Et les gens seront surpris, vous allez voir déjà que Poutine est déjà prêt pour la troisième guerre. Gog et Magog est déjà à la porte. Pendant que les gens attendent le millénium, ils seront surpris. Frère. Quand ils diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra tous. Amen. Frère Branham dit que les bombes sont déjà là. Il s'agit qu'un monsieur puisse boire son vodka, qu'il appuie sur le bouton, ça sort. Ne pensez pas que le monsieur va appuyer sur le bouton, il va attendre 1000 ans. Non. Quand on compte la dimension, tu dis, oh, mais 1000 ans, c'est les cas. Tu seras surpris, tu es déjà mort. Tu es déjà dans la dimension. Il dit, mais il fallait qu'il ait omis là. Il dit, non, c'est déjà du passé, c'était juste un repos. Frère Branham dit que, au temps de Salomon, c'était un millénium pour Israël. Bon, dites-moi, est-ce que Salomon a fait 1000 ans? Pourquoi? Frère Branham dit qu'il y avait les dons de la sagesse. Et quand vous voyez les dons de la sagesse, le discernement de la pensée, vous êtes de nouveau dans les millénium. Il ne s'agit pas de 1000 ans, 1, 2, 3, 4. Non. La fête du Père Salève. Nous allons parler de ça. Méfiez-vous des enseignements des pentecôtistes. Parce qu'il devait venir, lui, pour nous faire sortir du pentecôtisme. Amen. Et la trompette a appelé Israël à sortir du judaïsme. C'est-à-dire, construire un tabernacle en briques, immoler les agneaux, les oies. Frère Branham dit que la septième trompette les appelle en dehors du judaïsme. Donc, s'ils sont sortis du judaïsme, le judaïsme consistait à construire un tabernacle et à immoler les agneaux. S'ils sortent de là, ils n'ont plus besoin de ça. Plus besoin de tabernacle. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une levée
dans le pain. Or, c'était la fête du pain sans le vin après que la Pâque soit immolée. Amen. Le frère dit ceci. The people were so crowded around the gate. And the streets were jammed, and there was not even room for people to sleep. C'était lorsque Jésus était prêt à mourir. Parce que la fête là de Pâques en Israël était une préfiguration de la véritable fête de Pâques, de Christ qui devait venir et mourir encore. So they were laying outside the wall, all over the ground, because this was the Passover. And people come from all over the known world to worship at this time. It was the time when the Paschal lamb was slain. It represented their deliverance out of Egypt. Amen. The bondage. And they kept this annually, every year, this great Passover took place. And it was one of the most outstanding times, events of Jewish religion, because it means the time they were delivered. So, c'était un signe de la délivrance. Lorsque la nuit devait être immolée, la grande promesse depuis Esaïe devait s'accomplir, Abraham, que je vous enverrai un libérateur, devait s'accomplir. Parce que les 9 plaies étaient passées, Pharaon refusait toujours de libérer les peuples. Mais lorsque la nuit est venue, lorsque la Pâque est venue, l'agneau devait être immolé, cela signifiait une délivrance pour Israël. C'est-à-dire, si Israël commençait à fêter la fête de Pâques, c'est pour commémorer, n'est-ce pas, la délivrance. Donc, la Pâque amène la délivrance. Amen. What's the time? The lamb, figurative speaking, the lamb of God, the atonement just before the destruction. Notice, it must be a young lamb. It must be a male. Ça devait être un agneau jeune. Ça devait être un mâle. The first from the mother Eve. Ça l'écrit. That was Jesus, the first from the virgin Mary. Amen. Must be without blemish. It must be kept up and tried to see. Oh, how perfect that figured him. He was the perfect one. He, even every enemy had to testify that he was. Even Pilate said, I found no fault in him. Bring me some water. Il s'est même Pilate a témoigné qu'il n'avait aucune faute en lui. Donc il devait être gardé pendant 4 jours. Je vais lire ça. Il dit, l'agneau doit être gardé pendant 4 jours pour être éprouvé, pour voir encore s'il est digne d'aller au sacrifice. Il doit être pris, examiné, même et maintes fois pendant 4 jours pour voir s'il a un défaut, pour voir s'il a une maladie, pour voir si l'agneau à quelque chose qui ne va pas. Il doit être gardé combien? 4 jours. Pas 14 jours. Maintenant, remarquez, il y en a peut-être parmi vous qui pensaient que c'était un peu tué les 14. Mais vous vous souvenez, il prenait l'agneau le 10e jour du mois. Et il est tué les 14e jour du mois. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il était gardé pendant 4 jours. Amen. Or, beaucoup de frères dans le message disent l'agneau a été gardé pendant 14 jours. Or, ce n'est pas le cas. Or, Jésus est le nom de Dieu. L'agneau est entré à Jérusalem et il n'en est ressorti qu'après sa mort, sa mise au tombeau et sa résurrection. Il a été gardé sous les regards des critiques pendant 4 jours et 4 nuits. Comme
cet agneau était parfaitement typifié, gardé pendant 4 jours, c'est là que Pilate a dit, je ne peux rien trouver en lui de coupable. 4 jours, c'est dans les 4 sauts. Premier saut, deuxième, troisième, quatrième saut, l'agneau a été trouvé digne. My, yes. Amen. Et il devait être immolé. Parce que ceci, c'est aussi un type. Mais l'antitype, le véritable antitype venait après. Parce que l'Ancien Testament a parlé du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament a parlé de ces choses-ci, comme dit le frère Branham. C'est pourquoi je disais que le match final, c'est maintenant. Amen. Alors, il dit ceci. Now, the worship of the sin beneath his blood. Oh, ok. Jamais en français. Alors, l'adorateur là, qu'on voyait sous le sang, ça montrait qu'il avait exécuté la demande de Jéhovah, qu'il était identifié. Le signe montrait qu'il était identifié à l'agneau immolé que Jéhovah avait exigé. C'est-à-dire que quand on tué l'agneau, on avait dit que l'agneau devait être mangé, mais le sang devait être appliqué. Amen. Où est l'agneau? Mangé. C'est-à-dire que le corps de l'agneau devait disparaître. Ce qui était important, c'était son sang. Parce que dans le sang, il y avait la vie. Amen. Mais le corps de Jésus-Christ voulait chercher pourquoi? Lui qui était un agneau, il devait être mangé. Voilà pourquoi même pour le sacrifice, on prend simplement le sang, on amène dans les saints. Dieu ne cherche pas la chair. Dieu cherche le sang. On prend l'animal maintenant, on va laver. Et on amène dans dans l'autel des sacrifices, dans l'autel des reins, et on brûle l'animal jusqu'au sang. Ouais. Donc l'animal disparaît, mais son sang pénètre là-bas. Voilà pourquoi le corps de Jésus, ça ne devait plus retourner. Quand on a dit, Jésus a dit que je reviendrai, les gens pensaient que c'est l'homme de Galilée qui devait venir. Or, c'est lui qui est l'agneau pascal. La chair devait être mangée, mais le sang devait être appliqué. Amen. Parce que en principe, le sang là, c'était Saint Jésus. Donc le corps là était conçu juste pour contenir le sang. Parce que Dieu ne pouvait pas envoyer la vie sans le corps. Donc le corps était un tabernacle. Ce qui était important, Dieu voulait prendre sa propre vie et nous transmettre. Mais il ne peut pas faire ça directement. Il prend ça maintenant, d'abord, il le met dans l'agneau. Et l'agneau vient, lui, il le transmet. Voilà pourquoi on dit que, les hommes ont dit que tout ce qui était en Jéhovah, il a mis en Christ. Tout ce qui était en Christ, il a mis où? Dans les pouces. Ce n'est pas le corps de Jésus, mais la vie Zoé qu'on a transmis de Dieu jusque dans l'épouse. Donc c'est ça qui était la chose la plus importante. Et lorsque l'âge passait, c'était pour voir le sang. Tu peux dire que oh, moi je sais que moi je suis un Israélien. Non, tu devais appliquer le sang en Égypte pour le dernier fléau. Voilà pourquoi les gens qui ont vécu dans l'âge de l'Odyssée, qui n'appliquaient pas le sang, ils étaient morts. Amen. Mais ici, là, comme je l'ai dit, le sang maintenant devient des humains. Amen. Le travail était fait. Quel type parfois aujourd'hui, des Christ et du croyant. Les signes, quand il est montré chez le croyant, il indique que celui-ci a été accepté et que le travail a été fait. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du sang chimique. Aïe, maïe. Ça, c'est le frère Branham. Il ne s'agit pas du sang chimique. D'ailleurs, le frère Branham dit que quelques litres de sang de Jésus-Christ ne peut pas suffire tout le monde pour la situation. Il s'agissait de la vie. La première fois que la terre a été baptisée, le frère Branham dit que c'était avec Noé. Le déluge a donné le baptême de l'eau. Le baptême d'eau à la terre. Et quand Jésus est mort, frère Branham dit que quand son sang a été versé sur la terre, quand la terre,
les arbres touchaient la terre était sanctifiée. Il dit maintenant la troisième étape, c'est le baptême de feu. Et après le baptême de feu, maintenant, c'est le remplissage. Amen. Mais toutes ces étapes-là dans l'être humain ont déjà eu lieu. Vous voyez? Pour l'être humain, il a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la dispensation. On est plus de la dispensation du baptême du Saint-Esprit. En principe, nous sommes de la dispensation du Saint-Esprit lui-même. Parce que Frère Branham a dit que la justification laisse la place. Alors la sanctification laisse la place au baptême du Saint-Esprit. Et ça ne s'arrête pas là. Mais le baptême du Saint-Esprit a laissé la place au Saint-Esprit lui-même. Comme le Frère Branham dit que le Saint-Esprit est éternel dans Dieu de leur futur. Amen. Mais la vie qui était dans le sang, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il revient et il est le signe qui montre que nous avons accepté et fait exactement ce que Dieu nous a dit de faire. Et alors, en ayant le signe, nous sommes identifiés à notre sacrifice parfaitement. Je ne vois pas comment ça pourrait être plus clair, vous voyez. Donc, il ne s'agissait pas du corps. Donc, quand les gens attendent la venue du Seigneur, ils doivent désespérer de voir le corps de Galilée. Parce que ça briserait le plan. Amen. Ça briserait le plan. Si Dieu avait besoin des agneaux-là qu'on avait tués, Dieu allait dire, donnez-moi les agneaux-là. Même si Dieu avait demandé les agneaux-là, Dieu allait dire, brûlez ça. Donc, il ne s'agit pas d'un Jésus physique. Voilà pourquoi les femmes ont prêché Dieu dévoilé, le Dieu énorme qui change de forme. Mais la même vie sauvée, c'est la même vie qui continue sa course jusqu'à la fin. Amen. Or, vous voyez, les sangs littéraux de Jésus ne pouvaient pas venir sur chacun de nous. Parce qu'il n'avait qu'une certaine, par une certaine quantité de sang dans son corps. Il a coulé de son corps sur le sol il y a 2000 ans. Mais ce n'était pas ça qui allait servir de signe. Amen. Amen. C'est pourquoi le frère, il faut qu'on dise que les gens s'en vont en Israël. Et ils vont. La tombe de Jésus là, on a même interdit aux gens d'aller là. Parce que Kati, il dit, ma mère, on va passer par les portes, il y a la tombe, là, il y a un tombe. Donc, les gens vont là-bas, les gens sont attachés à des choses physiques. C'est ça le judaïsme. Oh, le frère Branham dit que, frère, même si on a amené le sang de Jésus ici-là, donc son propre sang, dans un bidon, hein, va sauver lui. Tu iras en enfer. Amen. Donc, les hommes sont des nationaux. Maquila. Donc, on voit un liquide rouge. Oh, on est quoi? Mais la maquila de Jésus. Esipa. Maquila de Jésus. Esipa. Frère, la prière, ce n'est pas la multiplication du monde. Non. Voilà. Tu dois connaître ce que tu es. Ça, c'est vrai. Frère, dans le message, on ne va pas être comme les gens. Quand on parle du sang, vous voyez l'élément chimique. Un liquide rouge. Frère Branham dit qu'il n'y avait pas autant de litres dans son corps pour asperger le monde entier. Ce n'était pas important. C'était simplement la vie qui était dedans. Et cette vie-là devait être transmise au travers de la parole. Voilà pourquoi nous, notre problème à nous, c'est la parole. Amen. Frère Branham dit que vous allez être étonné. Vous allez être pentecôtiste, vous voyez les miracles. Vous dites, c'est un bazar. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Frère Branham, vous pouvez prendre une branche d'un citronnier. Vous les connectez à l'oranger. Frère Branham, quand ça produirait les fruits, la branche du citronnier ne produira jamais les oranges. Ça dépendra de la vie de l'oranger. Mais son fruit, sa nature, c'est le citron. Amen.
C'est ça la chose qui se passe. Voilà pourquoi le miracle n'est pas un signe d'être un bon serviteur ou un enfant de Dieu. Un monsieur qui se tient au miracle, vous allez bien. Parce que le frère Branham n'a pas trop accentué dans le miracle. Le frère Branham disait que le miracle c'était simplement un appât. Et tout le monde qui était guéri dans le ministère du frère Branham n'est pas allé au ciel. Il y a aussi de ceux-là qui étaient guéris, mais qui sont partis en enfer. La guérison divine, ce n'est que le premier point. D'ailleurs, ça a été limité. Comment est-ce que quelqu'un croit le message peut être emporté par le miracle? Amen. Frère, le miracle, c'est quelque chose de très petit. Même les discernements de pensée et au-delà. Amen. Mais ça aussi, ça a été humilié. Enfin, moi, j'ai vu à Londres ici un monsieur en train de marcher sur l'eau. Ouais. Frère, il y a le trucage dit. Alors, mais un païen, il ne connaît même pas Jésus, mais il a marché sur les eaux. Est-ce qu'en cela, il est un fils de Dieu? Donc, les miracles n'ont rien à voir. Le seul test du sang, c'est la parole. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons plus la parole que tout. Nous croyons au miracle. Je crois que si je suis malade, je serai guéri. Mais la chose capitale, c'est la parole. Qu'est-ce que la parole fait? La parole nous ramène les définitions. Vous allez voir un monsieur qui prêche un faux enlèvement, mais quand il met, il appelle la ligne de prière, il y aura la guérison. Amen. Amen. Une branche du citronnier. Il dit ceci, il a coulé de son corps sur le sol il y a 2000 ans, mais ce n'était pas ça qui allait servir de signe. La vie qui était dans le sang, c'est ça le signe maintenant. Je vais vous le prouver dans un petit instant, par la Bible. C'est ça le signe qui doit venir sur chacun de nous, pour montrer que nous savons, pardon, que nous avons été identifiés à notre sacrifice et que nous avons exécuté ce que Jéhovah demandait. Comment il s'appelle? Abel. Le sang de l'agneau d'Abel n'est pas venu sur Abel. Le fait qu'on dit qu'Abel s'était simplement identifié à son agneau. Il place ses mains là-dessus et l'agneau est immolé et l'agneau est mort. Et cela a été accepté par Dieu. Pourquoi? Parce que Abel avait fait ce qui était